Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint distribue en abondance ses dons pour le service de son Église. Et c'est ce qui va se produire dans cette célébration pour Jean-François et Jean-Luc, Jean-François Clodo, Jean-Luc Melan, qui vont être investis tout à l'heure de la charge du diaconat pour notre Église diocésaine. Je les salue, je salue très cordialement leur famille, leurs amis, tous les frères diacres qui sont venus ici les entourer, de la Mayenne et d'ailleurs. Je salue bien sûr aussi cordialement les paroissiens des deux paroisses, de Notre-Dame de Charnay et de Saint-Melaine en Val-de-Joanne, avec leurs curés respectifs, le père Marcel Bourdon, le père Franck Vielle. Frères et sœurs, nous entourons nos deux frères de notre ferveur, de notre foi, de notre joie. Et nous nous ouvrons à plein nos cœurs à l'abondance des dons du Saint-Esprit. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Jean-François. Me voici. Jean-Luc. Me voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Jean-François et Jean-Luc et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Après l'étape de l'interpellation et les années de discernement, puis les années de formation en diocèse et en région Pays de Loire, l'équipe du service diocésain du diaconat a vérifié les aptitudes de Jean-François et de Jean-Luc. Aussi, des équipes d'accompagnement, réunies plusieurs fois sur ces deux dernières années, ont cheminé avec Jean-François et avec Jean-Luc. Les membres de ces deux équipes ont été consultés. Par la voix de l'un des membres, nous accueillons maintenant le témoignage des deux groupes d'accompagnement. Nous, les membres de l'équipe d'accompagnement de Jean-François et de son épouse Marie-Noël, connaissons le couple au travers de ses nombreux engagements, qu'ils soient professionnels, associatifs ou paroissiaux. La constitution du groupe d'accompagnement il y a 18 mois nous a permis d'appréhender différemment et plus précisément l'appel au diaconat permanent reçu par Jean-François en 2011. Les nombreux échanges auxquels nous avons pris part ces derniers mois nous ont permis d'une part de mieux connaître l'histoire de Jean-François et Marie-Noël et d'autre part d'approfondir le ministère des diacres dans l'Église. Jean-François, par sa simplicité, sa bienveillance, reconnue de tous ceux qui le côtoient, trouve et prend sa place dans ses divers engagements. Avec calme et discrétion, il sait conseiller, accompagner, écouter, apaiser. Par son bon sens et son attitude respectueuse, il sait fédérer les énergies et valoriser les qualités de chacun. Aux côtés de Marie-Noël, dans leur vie de famille, auprès de leurs parents, de leurs enfants et petits-enfants,
Ils savent être prévenants, tout en donnant la priorité à chacun en fonction des besoins. De ce fait, sa réponse à l'appel au diaconat permanent nous est apparue un peu comme une continuité des convictions qui l'animent. Pour autant, nous avons lors de nos rencontres bien perçu la complexité et la richesse de la place des diacres dans la vie actuelle de l'Église. Questions, appréhensions ou impatience paraissent tout à fait justifiées après ces années de cheminement. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les qualités de Jean-François, le soutien de ses proches, la présence de la communauté des chrétiens et l'aide de l'Esprit-Saint sauront le guider dans l'accomplissement de la mission qui lui sera confiée. Nous, les membres de l'équipe, sommes heureux en ce jour que Jean-François puisse être ordonné diacre. Monseigneur, notre équipe d'accompagnement rend grâce à Dieu pour l'engagement de Jean-Luc au diaconat. Nous le remercions, ainsi que Myriam, de nous avoir choisis pour les accompagner pendant ces 2 années. Nous avons appris à mieux les connaître grâce aux échanges et aux partages que nous avons vécus ensemble. Ils se sont préparés à assumer la mission que vous allez confier à Jean-Luc, qui a exprimé le désir de s'appuyer par la prière sur la grâce du sacrement qu'il va recevoir. Jean-Luc est un homme discret, un homme d'écoute et de grande réflexion. Proche de la nature, ses convictions personnelles et ses engagements professionnels le poussent à développer l'écologie et à partager autour de lui ses connaissances, dans un désir de promouvoir un plus grand bien pour l'homme et le monde dans lequel nous vivons. Jean-Luc est un homme enraciné dans la prière et la parole de Dieu, engagé depuis longtemps dans des mouvements d'église et des groupes de prière. Répondant présente à l'appel des parcours Alpha en Mayenne, nous savons qu'il est un homme de confiance, qu'il est sensible à l'œcuménisme et qu'il porte en lui un vrai désir d'évangélisation auprès des personnes éloignées de l'Église par le témoignage de sa foi en Jésus-Christ, présent et vivant dans notre monde. Il est bien sûr déjà très engagé dans sa paroisse au service de ses frères et sœurs. Nous avons la conviction qu'avec la présence aimante de Myriam, avec la vie de prière et la confiance en l'Esprit-Saint, Jean-Luc pourra vivre et grandir dans la volonté de servir l'Église et les hommes. Oui, Jean-Luc, chaque membre de notre équipe est heureux d'être témoin et présent à ton ordination diaconale. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Jean-François Clodeau et Jean-Luc Melan ont été jugés dignes d'être ordonnés. Marie-Noël et Myriam, l'Église me demande d'ordonner diacre vos maris. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'ils vont recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Thank you.
Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à tes serviteurs Jean-François et Jean-Luc, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche interpellent fortement notre Église diocésaine en synode, en relayant un appel impérieux à l'intelligence et au discernement. Il s'agit, selon les mots de Jésus lui-même dans l'Évangile, de se laisser instruire par les événements du quotidien pour y percevoir les signes de Dieu et nous rendre co-acteurs avec lui de la construction du royaume. Ce qui fonde en effet l'espérance chrétienne, ce n'est pas de rêver d'un monde meilleur, d'un monde à venir, c'est de croire que ce monde nouveau, inauguré dans la Pâque du Christ, s'édifie déjà dans nos vies d'ici-bas, dans la puissance de l'amour. Si telle est bien notre mission de chrétiens baptisés, la vivre de façon effective requiert un préalable indispensable, que nous ayons le courage de nommer les peurs qui nous habitent, ces peurs aux multiples noms et aux multiples visages, qui, au lieu d'un engagement généreux et solidaire, nous entraînent à la fuite et au repli sur soi. Ces peurs, nous le savons, sont entretenues et même confortées par quantité de prophètes de malheur qui, guidés par une lecture fondamentaliste de la Bible, entretiennent dans l'imaginaire collectif l'idée que l'humanité est au bord de la catastrophe. Or, quand on la médite en profondeur, la péricope de Marc que nous venons d'entendre est beaucoup plus majestueuse qu'effrayante. On verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Quelle magnifique espérance! Certes, la fin du monde se produira et avec elle le jugement de Dieu sur chacun. Mais les paroles de Jésus dans l'Évangile de ce dimanche sont formelles. Ce jour et cette heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Parmi ceux qui s'attachent à diagnostiquer le moment présent, beaucoup en tout cas nous le redisent, plus encore que les dérèglements climatiques dont nos comportements irresponsables peuvent être en partie la cause. Ce qui menace en premier la survie de notre terre, c'est la violence du non-amour, c'est l'exacerbation des trajectoires individuelles. Regardons aujourd'hui comment les revendications égoïstes de beaucoup fissurent au quotidien les fondements d'un idéal européen basé sur la paix que tant d'acteurs politiques, économiques et religieux ont contribué à édifier sur le long terme. Nous vivons dans une société fracturée où l'aspiration à la fraternité et à la solidarité n'a jamais été aussi intense. C'est sans doute cela d'abord, faire œuvre de discernement. C'est apprendre à voir dans la lumière de l'esprit les non-lieux de nos villes et de nos villages, tous ces espaces de déshumanisation qui attendent d'être habités par l'amour. Dans sa constitution Gaudium et Spes, le Concile Vatican II déclare, je cite,
on peut légitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su transmettre aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Transmettre des raisons de vivre et d'espérer. Comment ces mots ne pourraient-ils pas nous rejoindre et nous aiguillonner sur la route de notre synode diocésain? Faire synode, encore une fois, ce n'est pas nous attacher à réformer des structures, c'est envisager ensemble ce qui peut redonner sens à nos vies, à la vie de nos familles, de nos communautés, en vue d'une annonce renouvelée de l'Évangile, une annonce plus pertinente, plus audacieuse et plus joyeuse aussi, mieux adaptée, en tout cas aux besoins d'aujourd'hui. Faire synode, c'est se laisser interroger jusqu'à l'inquiétude par la question de savoir quelles sont les attentes cachées de nos contemporains et comment ouvrir pour eux des chemins de joie. Une évaluation à la fois confiante et lucide de nos moyens nous aidera, j'en suis sûr, à aller plus résolument à la rencontre des blessures de l'homme en portant la présence forte et simple de Jésus, sa miséricorde consolante et encourageante. Dieu désire habiter parmi les hommes, c'est trop clair, mais il ne peut le faire qu'à travers des témoins convaincus, des hommes et des femmes qui consentent à vivre à plein l'Évangile, dans la force de l'Esprit, sans chercher autre chose. Pareille mission, on s'en doute, ne va pas sans la nécessité d'une conversion personnelle qui pousse à quitter au quotidien la sécurité d'une existence confortable en se laissant déranger par l'intranquillité de l'Évangile. Il n'est pas anodin que nos frères Jean-François et Jean-Luc soient ordonnés diacres en cette journée mondiale de la pauvreté. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est ainsi. Dans un instant, en effet, par le geste de l'imposition des mains et la prière consécratoire, ils vont être identifiés au Christ serviteur et devenir avec lui sacrement de la présence de Dieu auprès des petits et des pauvres. Il va sans dire que si nos deux frères deviennent diacres aujourd'hui pour notre Église diocésaine, ce n'est pas pour nous dispenser à bon compte de nos propres engagements au service des pauvres. C'est pour nous rappeler au contraire que la diaconie est constitutive de notre être baptismal et que sans la présence des pauvres, nous ne ferons jamais l'expérience d'une Église de la fraternité et de la joie. Regardons simplement l'Évangile. Quand on en parcourt les pages, on voit très clairement, et c'est bien sûr paradoxal, que ceux qui sont le plus en capacité de transmettre des raisons de vivre et d'espérer, justement, ce sont les pauvres. Au cœur de leur situation souvent précaire, portés par la foi qui les habite, les pauvres accueillent le royaume avec une admirable ouverture de cœur, et Jésus en est chaque fois bouleversé. Aussi, je forme le vœu ce soir que notre synode leur accorde la place qui leur est due, en leur offrant en particulier l'opportunité de prendre la parole. Les pauvres, en effet, sont acteurs et sujets de l'évangélisation. Ils ont des expériences si fortes à nous partager. Ce qu'ils nous disent nous ramène toujours à l'essentiel. Être aimé et pouvoir aimer. Alors qu'ils portent même de lourds fardeaux, ce sont eux qui souvent nous prennent par la main pour nous conduire jusqu'à la rencontre avec le crucifié qui soulage, console, délivre. Cher Jean-François et cher Jean-Luc, endossez les gilets jaunes pour défendre des intérêts personnels, ce peut être bien. Mais ceindre le tablier du serviteur pour défendre les intérêts des autres, c'est assurément mieux. Et c'est ce qui va se produire pour vous dans un instant. Investi de votre ministère de diacre aujourd'hui,
je vous envoie comme signe de la charité de Jésus auprès des plus petits. Encouragez-nous, aiguillez-nous, nous, secouez notre torpeur, montrez-nous le chemin des plus pauvres, aidez-nous à nous porter à leur rencontre, à entrer en amitié avec eux, pour que nous sachions apprécier les valeurs profondes qu'ils portent, reconnaître la dignité immense qui est la leur. Je suis convaincu de l'aide et du soutien que vos épouses, vos familles, vos amis sauront vous apporter en ce sens. Avec eux, avec vous, soyons une église de la fraternité et de la joie, une église de la justice et de l'amour, une église soucieuse des intérêts des plus démunis, une église qui partage avec eux la défense de leurs droits. Que la Vierge Marie, étoile de l'évangélisation et mère de notre Église en synode, nous accompagne sur la route. Amen.
fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? François, promettez-vous de vivre en communion avec moi et avec mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jean-Luc, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur Jean-François et Jean-Luc la grâce de sa bénédiction. Thank you.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous, toi qui nous donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit-Saint sept hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'Esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Jean-François, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Jean-Luc, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Les nouveaux diacres vont accueillir le pain et le vin des mains des membres de leur famille et de leur équipe d'accompagnement. Ces offrandes seront précédées de plusieurs objets symboliques. Deux lumières, des bougies réalisées par les personnes accueillies à l'Arche en Anjou, des fleurs, symbole de la création, le cep de vigne, symbole que Jésus a employé à plusieurs reprises dans des paraboles, qui représente la relation des deux couples avec Jésus. Il représente aussi le travail de chacun. De ce cep partent deux tissages qui rappelle la diversité de la vie et des engagements de chacun. Puis la rencontre et le chemin parcouru ensemble. Les nœuds symbolisent la famille, l'amitié, la joie, la prière, le chapelet, la réconciliation, mais aussi les difficultés, les peines. Ce tissage n'est pas terminé. Il reste des liens à tisser, ensemble, mais aussi chacun de son côté. C'est aussi le moment où vos offrandes sont recueillies, à événement exceptionnel, quête exceptionnelle. Grâce au don de chacun, les frais liés à cette célébration vont être pris en charge, notamment les moyens de retransmission, vidéo, sur écran, en plusieurs points de la cathédrale, et aussi le livret qui vous aide aujourd'hui à suivre la célébration. D'avance, merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour la gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : «
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Thierry, l'ensemble des évêques, les prêtres, nos frères Jean-François et Jean-Luc qui viennent d'être ordonnés diacres et la fraternité des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Thank you.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Plusieurs diacres et prêtres, avec notre évêque, vont porter la communion dans plusieurs endroits de la cathédrale. Nous attendons leur mise en place et nous vivons ce temps dans la prière d'action de grâce pour accueillir le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ces nouveaux diacres toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour la gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, c'est le moment de remettre aux nouveaux diacres leur lettre de nomination et donc le contenu de leur mission. J'invite Jean-François à se tourner vers moi. Cher Jean-François, déjà au service des jeunes, par votre métier d'éducateur au Collège Saint-Joseph d'Ernée et au service pastoral de la confirmation des jeunes sur le doyenné, l'appel au ministère de diacre permanent vient reconnaître l'engagement et la proximité qui sont les vôtres auprès des jeunes et de leurs familles. Ainsi, vous êtes appelé à poursuivre votre proximité d'éducateur auprès des jeunes collégiens et notamment ceux qui nécessitent une attention particulière pour leur permettre de surmonter des situations difficiles. Sur la paroisse Notre-Dame de Charnay et sur le doyenné du pays de Lerné et du Bocage mayennais, avec les accompagnateurs, vous exercerez votre mission diaconale auprès des jeunes en cheminement vers le sacrement de la confirmation. Vous participerez à la diaconie de l'Église qui vous envoie en mission auprès des personnes ayant des difficultés familiales, sociales, auprès des personnes en situation de pauvreté et des personnes migrantes. Dans l'esprit de Diaconia 2013 et du Synode diocésain, tu as du prix à mes yeux, dans ce monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie. Vous veillerez à ce que les personnes rencontrées et accompagnées soient au cœur de tout projet de solidarité et de fraternité, qu'elles soient soutenues, écoutées, valorisées, pour qu'elles retrouvent un jour le chemin de la vraie joie. Cette mission diaconale nécessite d'être en relation avec différents acteurs de terrain, avec les partenaires sociaux et les associations caritatives locales, dont le Secours catholique. À titre personnel et professionnel, on l'a souligné tout à l'heure, vous portez le souci du développement durable et d'une écologie respectueuse des personnes et de l'environnement. Depuis de longues années, vous avez acquis une vraie compétence en la matière et vous pourrez apporter beaucoup à notre diocèse, y compris sur des points très pratiques à mettre en œuvre dans les paroisses, les services et les mouvements. Votre ministère de diacre pourra être ainsi le signe concret de cette charité pratique. L'encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la maison commune guidera votre mission. Je souhaite mettre en place, ça c'est la deuxième chose, d'une manière très prochaine, une équipe diocésaine en charge du dialogue œcuménique en Mayenne. Je salue d'ailleurs cordialement nos frères et sœurs des autres églises chrétiennes, en particulier ceux qui sont parmi nous. Votre itinéraire de foi et votre parcours personnel et familial vous ont sensibilisé à cette question. Comme ministre ordonné, vous trouverez place dans votre équipe et vous apporterez votre contribution et votre soutien.
Voilà, à chacun de vous, vous préciserez avec le curé de votre paroisse, l'équipe pastorale, les manières d'être présent à la vie locale et paroissiale en veillant à ne pas répondre trop vite aux diverses sollicitations. Voici donc venu le moment délicat de la célébration, celui des remerciements, pas qui nous en coûte à Jean-Luc et à moi de dire merci, mais délicat dans le sens qu'il ne faut oublier personne. Je vais donc, si tu le permets Jean-Luc, me faire aider par celui qui nous a conduits jusqu'ici, l'Esprit-Saint. Il nous accompagne depuis notre naissance et même avant, car comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Galates, « Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. » Un grand merci donc à tous ceux qui, depuis notre plus jeune âge, se sont laissés guider par l'Esprit-Saint et nous ont aidés dans notre cheminement jusqu'à ce jour. Nos parents, nos frères et sœurs, nos familles, puis nos épouses, nos enfants. Il y a aussi toutes les personnes que nous avons rencontrées dans nos activités, notre travail, nos paroisses successives, le diocèse, les mouvements dans lesquels nous avons œuvré. Et plus particulièrement ces dernières années, tous nos frères et sœurs en Christ, à commencer par Monseigneur Scherrer, les prêtres et les diacres qui nous ont accompagnés durant notre formation, tous les prêtres et diacres présents aujourd'hui, nos équipes d'accompagnement, les communautés religieuses qui nous portent dans leurs prières. L'Esprit-Saint était également bien présent aujourd'hui, tout d'abord dans le choix de la date, Monseigneur l'a rappelé aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pauvreté, mais le 18 novembre, c'est aussi la date de mon baptême. Je reconnais bien là un petit clin d'œil de l'Esprit-Saint. Mais au-delà de cela, nous l'avons bien senti présent tout au long de cette célébration, et cela grâce à toutes les personnes qui se sont investies pour qu'elle soit belle. Celles qui nous ont aidés à la préparer, qui ont réalisé les livrets de chants, les différents services de la liturgie, les chanteurs et les musiciens, les techniciens, sons et images, et les personnes qui ont préparé et fleuri la cathédrale. Nous ne vous oublions pas, vous tous qui êtes présents aujourd'hui dans cette cathédrale de Laval ou qui écoutez sur Fidélité Mayenne, vous qui regarderez l'enregistrement de cette célébration, et vous tous qui êtes absents physiquement, mais tellement présents par votre prière et dans nos cœurs. Nous voudrions vous dire que tout l'amour que vous nous manifestez aujourd'hui par votre présence, votre prière, sera pour nous un formidable carburant, un carburant bio bien sûr, pour accomplir les missions que Monseigneur Scherrer vient de nous confier. C'est à votre service qu'il nous envoie et à celui de notre Église diocésaine, actuellement en synode. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur au terme de cette belle célébration. Merci à la chorale et aux instrumentistes de nous avoir aidés à prier avec les chants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu
Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Amen. Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tournons vers la Vierge Marie qui nous accompagne pendant tout ce temps du synode. Vierge Marie, Mère de l'Église, tu chemines avec nous sur la route. Aujourd'hui, nous tournons vers toi, notre Mère incroyable. Éducatrice de la prière, apprends-nous à écouter la voix de l'Esprit Saint. Il nous aide à discerner les signes des temps et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs. Que ton ardeur nous brûle et nous transforme dans la ferveur d'une nouvelle Pentecôte. Étoile de l'évangélisation, obtiens-nous l'audace et le courage de témoigner de notre foi. Convertis nos rencontres en visitations d'amour, que chacun découvre le prix qu'il a aux yeux de Dieu et se laisse toucher par sa miséricorde. Mère de l'espérance et reine de la paix, toi qui nous montre Jésus, affermis nos cœurs et guide nos pas. En ce monde aimé de Dieu, fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen. Après la célébration, vous êtes bien sûr tous invités à la maison diocésaine pour continuer de partager ensemble et aussi autour d'un petit verre de l'amitié. Allez dans